Pour différer l'envoi d'un courriel, vous créez un nouveau message dans Outlook. Ensuite, vous ouvrez l'onglet Options et vous sélectionnez Différer la livraison. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous devez vous assurer que la case est cochée pour ne pas envoyer avant. Ensuite, vous devez sélectionner la date de l'envoi souhaitée. Je vais par exemple choisir le 11 avril ici. Et l'heure de la date d'envoi souhaitée. Donc, on va y aller pour 8 heures. Une fois que vous avez ajusté ces paramètres, il suffit de fermer la fenêtre et ensuite de rédiger son courriel comme à l'habitude. Une fois le courriel complété, on clique également sur Envoyer comme à l'habitude. Le courriel se retrouve dans la boîte d'envoi avec la date et l'heure ajustées. Si vous devez le modifier, vous devez cliquer à nouveau sur le courriel dans la boîte d'envoi pour l'ouvrir et ajuster les paramètres. Donc, soit le message, soit en retournant dans Options, différer la livraison, vous pouvez modifier la date et l'heure choisie pour l'envoi différé.